Yon nan gros spektak ke moun lan kapab gen chans wè pou ane 2024 la, se yon F-16 ki pral an fas yon Sukhoi. M garanti yo ke la bel. Ah oui, se pral yon afrontman ro nivou teknoloji point les États-Unis d'Amérique et puis la Russie. Bon, nous déjà à vivre un affrontement parce que nous gagnons IMASIO que les États-Unis d'Amérique déployé dans Ukraine, nous gagnons système défense Patriot qui fait parler de yo en pile, mais kounya nous pral rentrer dans avion de chasse. Ça qui généralement fait parler en pile de puissance l'air les États-Unis d'Amérique là face avec la Russie, c'est pral yon bataille impressionnante. Mais nan pati ça a gagné un petit problème. Problème nan c'est qui bon avion ça y a sorti réellement pour aller attaquer la Russie. Et président russe Vladimir Poutine ban nou yon réponse pour problème ça. Si avion ça y a sorti nan yon pays tiers comme yon pays voisin Ukraine pour attaquer la Russie, de façon automatique pays ça li tourné yon cible. Avion ça tout li c'est yon cible. Ça veut dire n'importe pays autant qui prend responsabilité pour attaquer la Russie avec avion qui a sorti la Kaili, eh bien, c'est une cible pour Vladimir Poutine. Mesdames, messieurs, nous sommes capables que la bataille a annoncé couleur. Nous pourrons partager la déclaration Poutine ensemble avec vous et faire un petit palais sous bataille ça qui est vraiment intéressant, mesdames, messieurs. Avant de continuer, je vais vous rappeler sous un immigrant, si vous avez déjà quitté un like, merci. Si vous pouvez, m'a invité ou faire ça pour capable encourager travail là et pas hésiter tout. Dis-moi ce que penser dans espace commentaire. La même pays Ukraine nan qui retrouve dans situation qui vraiment difficile, qui pas réellement gagne un porte sortie pour capable faire une victoire, qui passait dans série méthode vraiment féroce dans moment là, c'est bombardement installation énergétique la Russie yo, c'est écraser bateau la Russie dans la mer Noire, c'est mener une série action pénétration sur territoire pays la Russie. Yon série méthode pour capable faire la Russie payer yon grand prix. Mais c'est yon série méthode qui pa bay réellement yon idée que Ukraine ni pral capable pote yon victoire militaire nan façon que l'a opéré. Mais qui gagne yon gros coût économique pour la Russie non capable dit ça. Mais pays Ukraine li compte sur yon zam important qui pral capable aider peut-être remonter pantlan ou bien contrer carré la Russie non l'autre niveau. C'est F-16 les États-Unis d'Amérique qui c'est une des armes qui plus puissant que les États-Unis d'Amérique gain la Kaili, un avion de chasse. Normalement, pas qu'on est qui version que les États-Unis pour aller Ukraine parce que F-16 yo c'est une série avion qui un peu ancien, alors modèle là un peu ancien des années 60, 70, nous capable dire plus passé 50 ans après c'est un avion qui continue faire parler de lui dans monde militaire. C'est un avion tout qui gagne un prix qui est estimé à environ 20-25 millions de dollars. Ça pourrait dépendre de version 1. Version qui est ancienne, capable de gagner un prix. Ça qui est moderne, capable de gagner 90 millions et plus même. Ça pourrait dépendre. Mais c'est un avion que un pile pays spécialement membre autant à utiliser dans ce moment-là parce qu'il a jugé que il est très léger. Il gagne une technologie qui vraiment efficace, c'est une des premiers avions de chasse qui puis modernisé que monde l'a gagné. F-16 c'est une avion de chasse tout qui puisse utiliser dans monde là et c'est une avion qui fait parler de les États-Unis d'Amérique et spécialement nous capable dire une plus grosse entreprise armement aux États-Unis d'Amérique, Lockheed Martin. Mais ça qui intéresse nous-mêmes sous un immigrant, c'est comment que avion ça y pral opérer avec situation que Ukraine retrouve dans moment là et qui est-ce que avion ça yo pour aller en face yo? Alors qui apparaît que avion ça yo pour aller en face yo qui capable augmenter mettons petit couleur non capable dit dans piclise là. Selon Vladimir Poutine, les avions de guerre F-16 livrés à l'Ukraine seraient des cibles légitimes où qu'ils se trouvent s'ils sont utilisés contre la Russie à partir d'aérodromes situés dans les pays tiers. Jean que Joe Biden a annoncé l'année passée pendant le retrouvé dans le pays Japon dans réunion G7 là, Ukraine réellement pour gagner avion F-16. Mais je dis en là, Poutine clair sur un bagage.
préoccupation autant avion ça est capable facile craser dans l'Ukraine parce que aérodrome ukrainien peut être capable pas trop sécurisé. Premier problème non c'était qui est-ce qui pourrait piloter avion ça parce que apparemment pilote ukrainien pourquoi adapter avec. Et bien avec plusieurs mois de formation, déjà gagné une série pilote ukrainien qui a entraîné dans Pays-Bas, dans Allemagne, mesdames et messieurs, prend formation avec les États-Unis d'Amérique, Allemagne tout pour que soit capable piloter F-16. Mais dans partie ça gagné un petit doute, pas gagné monde réellement qui connaît est-ce que c'est soldats ukrainiens réellement qui pourraient le piloter ou bien soldats OTAN. Mais qu'il y a préoccupation, c'est qui est-ce qui pourrait prendre responsabilité ça? C'est qui pays qui pourrait prendre responsabilité ça? Est-ce que décision et déclaration Poutine n'est pas capable un peu ralentir livraison F-16 avec Ukraine? Parce que si Ukraine réellement était compté sous pays voisin, il y a un pays qui pourrait prendre chance, je dis à la, pour faire avion décoller la Kaliyal, attaquer la Russie, eh bien, c'est un pays qui automatiquement mandé la Russie guerre. Et c'est une raison peut-être qui fait que Emmanuel Macron, lui vini avec un pile déclaration, gagné la Pologne, dans un moment là, tout qui voulait soulever un litige que la Russie a pris de violer territoire avec missiles, gagné un pile préoccupation avec plusieurs pays, autant et la Russie, mais fait un avion décoller la caillou pour attaquer la Russie, là où déclarer la guerre avec la Russie, qui pays réellement autant qui pral prend un niveau risque pareil. Mais pour ça qui concerne Poutine, Vladimir Poutine fait connaître que pays ça li c'est une cible pour lui-même. C'est-à-dire que si un pays qui a fini frapper la Russie la gon bombe nucléaire d'elle. Ou bien si un pays tout qui a fini frapper la Russie bombarder la Kaili, imaginez aussi si un pays autant, c'est déjà une déclaration de guerre. Mais qu'on y a tout, si un pays autant pour responsabilité ça, est-ce que c'est pas une provocation que pays ça a fait directement avec la Russie parce qu'il connaît que Vladimir Poutine a répondu. Est-ce que autant pour elle provoquer la Russie dans partie ça pour capable rentrer dans un affrontement direct avec la Russie parce que l'Ukraine déjà pas sur route mesdames messieurs réellement pour gagner. Mais une partie qui est plus intéressant mesdames messieurs c'est en face là. En face F-16 de gagnon un Sukhoi, il est capable un Sukhoi ancien. Bien n'importe modèle que la Russie possédait, soit SU-30 ou bien SU-35. C'est là un véritable problème pour les États-Unis d'Amérique tout, parce que l'obligé modifier F-16 que la baye Ukraine peut-être pour pas prendre à technologie et de pointe avancée que les États-Unis d'Amérique gagnent, peut-être tout pour avion ça yo. Peut-être pas à le faire bec à terre face à la technologie. La Russie qui capable de bailler un petit problème dans le marché, dans la réputation avion ça, qui gagne un bon temps depuis la vente et qui fait parler de lui-même. Eh bien, un Sukhoi probablement c'est pour le prochain bête noir, un F-16, côté que la Russie pourra jouer toute jouette planète pour capable désapprouver F-16 là sous n'importe forme pour capable montrer avec les États-Unis d'Amérique et F-16 là qui est capable désapprouver et la Russie tout pourrait joindre on capable dire une répercussion dans mais Ukraine dans mais les États-Unis d'Amérique et pays qui investit dans l'industrie ça F-16 doit faire tout ça possible de eux-mêmes tout pour capable montrer avec la Russie que y aurait été un modèle y a gain puissance là y est capable là nous entrer dans un véritable litige guerre de technologie de pointe mesdames messieurs qui annonçait la couleur mais qui gagne gros danger derrière ça pourrait dépendre comment pilote y pourrait opérer comment avion ça pourrait opérer qui capable ben gros problème avec la Russie mais n'a fini avec déclaration président russe là. Vladimir Poutine t'a ajouté dans la déclaration ni si les pays occidentaux livrent à l'Ukraine des chasseurs F-16, cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. Nous avons crasé yo. Même gens nous avons crasé chayo, nous avons crasé véhicule blindé yo, nous avons crasé l'autre équipement et puis même lance-roquettes multiples. Nous capable ouais Poutine ni même ni souffert la guerre. Si nous pensons et peut-être attendre un résultat de F-16 qui peut être capable de changer coup guerre pour Vladimir Poutine ça pas changer rien yo seulement craser yo en tout cas est-ce que réellement pas bon changement sous terrain parce que là c'est technologie de pointe les États-Unis d'Amérique qui en bataille les gars alliés nous connaît comment yo gomme alliés yo opérer en allié mesdames messieurs est-ce que pas gagner changement me penser que F-16 yo réellement capable porter gros changement et si tout si yo ta al bombardé territoire pays la Russie a. Tant li réellement annoncé la couleur.
n'a continuer former m'a invité au seulement rester connecté n'après tal le concert pour un autre sortie.